Faut que je fasse une vidéo. Cet homme est capable de faire 50 voix de personnages de dessins animés. Oh, oh, salut les amis, je suis Mickey. Ah bah ça va, je suis Mickey. Fatigant ce genre de vidéo. Pourquoi 26 en Vita? C'est précis ça. On m'a dit qu'après en fait ça mettait trop de stats à augmenter pour augmenter à plus de 100 de PV gagné. Go en faire un en vrai une fois. Du doublage de... Non mais... Je sais que ça marche bien aux US ça, ce genre de vidéo. Les vidéos genre ouais je peux faire 50 personnages de dessin animé. Et du coup tu fais que faire des voix de perso de dessin animé pendant 10 minutes et les gens sont contents. En live, non je ferai pas ça en live par contre. Trop fatigant. Merde. J'avais qu'une chose à faire, le taper, j'ai réussi à taper à côté. Est-ce qu'il y a des passages, les gens, dans un dessin animé, un anime, un manga ou un film d'animation, n'importe quoi, à chaque fois que vous voyez, vous pleurez. Genre vraiment, ça vous met la larme à l'œil. Est-ce qu'il y a un truc carré à vous faire ça? Parce que moi, j'ai qu'une seule réponse en tête. C'est le... Bon, en vrai, j'en ai deux. Mais une autre, c'était quand j'étais petit, donc ça marche plus maintenant. Merde. Mais dans le film là-haut, l'intro du film, je la trouve tellement belle. Quand à chaque fois que je la regarde, je vous jure, elle me fait pleurer. Parce qu'il y a tout. Il y a l'ambiance, il y a la musique, il y a les images. Quand je te vois, ça me fait de la peine. Toi, je vais t'enculer par contre, Mick. Hein. Il va perdre son modo. Ça va être Saiyajin qui va le récupérer. Il va moins faire le malin. Et quand j'étais petit, et là par contre, attention, c'est le truc ultra qui pousse que je vais dire. Donc j'en ai un peu honte. Mais vous aimez bien quand je dis des trucs qui coulent, donc ça passe. Vous connaissez le dessin, l'animé, pardon. Vous connaissez l'animé Zero no Tsukaima. Eh ben... Ah, j'ai un peu spoil. Bon, c'est pas grave. Dans Zero no Tsukaima, j'avoue que quand j'étais petit, j'ai pleuré quand il y avait le passage de la mort de Saito. Et et à chaque fois que je remettais le passage sur YouTube, je pleurais. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis retourné voir la scène. Et ben, en vrai, elle était un peu éclatée. Hop là. Moi aussi j'ai été un peu ému. En vrai j'ai balancé un gros spoil comme ça sur Zero no... Désolé les gens. C'est sorti tout seul. J'ai presque envie de remater mais je me dis je vais trouver ça naze. Après l'anime Mika si tu l'as vu jeune comme moi, bon. Je pense que d'un œil adulte c'est autre chose. Mais quand j'étais gosse mec... Oh est-ce que je raconte ça? Mais non mais ça c'est des anecdotes vous allez me juger. Mais ça c'est des anecdotes vous allez me juger si je les raconte. De toute façon, après, vous aimez... Allez, hop. Bon, Kiwi, il a fait un don de 50 balles, j'ai envie de dire. Est-ce que vous méritez pas d'un peu de me juger? Parce que quand j'ai raconté mon anecdote sur Catherine, où vous m'avez tous jugé comme des bâtards, il y avait personne pour faire de don. Oh, merde, j'ai perdu mes... Non, de toute façon, je me... Ouais, du coup, je disais. À l'époque où j'ai vu Zero No Tsukaima pour la première fois, c'était l'époque où voilà, je commençais à travailler simultanément, à faire mes études, enfin CFA quoi. Mon contrat de formation apprenti. Et je détestais ça, j'étais pas heureux dans ma vie à ce moment-là. Est-ce que je le suis maintenant? Je ne pense pas, mais... Bref. Tout ça pour dire que c'était une époque où j'étais triste, parce que ma vie me convenait pas. Et je suis tombé sur l'anime Zero no Tsukaima. Et... Et bon voilà. L'anime, c'est quoi l'histoire en fait? C'est... Il y a un humain qui s'appelle Saito qui se fait invoquer dans un monde de magie. C'est un humain qui vit à Tokyo qui se fait invoquer dans un monde de magie avec des sorcières et tout. Il s'est devenu le familier d'une meuf. Et du coup, grâce à ça, dès qu'il tient une arme, en fait, il devient super pété et il peut la manipuler super bien et se battre. Et s'ensuit des histoires via ça. Bon, il trouve l'amour, plein de choses incroyables. Bref, enfin, quand j'étais petit, je m'étais dit. Moi aussi, j'ai envie de me faire invoquer dans un monde avec des sorcières bonnes. J'étais trop dégoûté. Et ça, genre, ça me rendait un peu dépressif parce que du coup, je me disais, putain, je suis pas content, je suis pas heureux et tout. Et cet animé, c'est trop cool ce qui se passe. Je viens de check la liste des jeux que t'as fait et t'as pas fait Skyrim, tu comptes y jouer? Je l'ai déjà platiné deux fois, Miss Fantôme, donc je vais pas y revenir. Ah, petit schnappant. Non, mais je me disais, Saito, il a trop de chance quoi dans l'anime. Donc voilà. Et moi j'étais triste. J'étais tristoun. Mais du coup Miss Phantom, Skyrim, je l'ai déjà fait deux fois.
Donc, enfin, quasiment à fond, l'équivalent du platine, quoi. Donc, c'est pas à fond, mais un bon gros morceau. Donc, tu te doutes que j'ai pas très envie d'y revenir encore. Parce que bah, c'est un jeu qui est très long, je l'ai fait deux fois. Je l'aime beaucoup, hein, mais voilà. Pas trois fois. Par contre, le prochain Elder Scroll, quand il sortira, du coup, on le fera. Alors, évidemment, je vous dis ça, je sais pas quand il sortira. D'ailleurs, est-ce qu'il sortira d'ailleurs? Bien sûr que oui, un jour il sortira, mais bref. Tout ça pour dire que c'est pas de si tôt. Bon bref, je vais... oh là, faut que j'arrête de dire bref déjà. Mais je vais... J'ai pas affronté... Oh, laisse-moi tranquille. Il m'a tué ? Oh, le fils de pute. J'allais dire, je vais rusher au boss parce que ça sert à rien d'affronter à chaque fois en boucle ces mecs-là. Le but, c'est d'aller au boss et de le défoncer. Ah ça, quand je l'ai radé, j'ai vu un autre anime juste avant avec le même plot, mais en mieux. Zero no Tsukaima ? Mais non, mais développe ton message, Capola. Ok, tu parles de Zero no Tsukaima, et donc tu parles de quel anime qui est mieux ? Pourquoi à chaque fois il faut que vous dites les choses sans les dire en fait? Ah, vous me rendez ouf quand vous faites des choses comme ça? Il sort en 2020-2023. Bah parfait, en 2022-2023 vous aurez votre stream sur le nouveau Elder Scroll. Mais là non, je vais pas refaire Skyrim. Même en plus, comme j'ai déjà fait le jeu plusieurs fois, les quêtes je vais déjà les connaître, donc j'aurai envie de passer les dialogues. Non, vraiment c'est pas une bonne idée, je pense. Mais laissez-moi vivre un peu. Oh putain, ils m'ont niqué mon ascenseur. Alors vous les gars, putain, les bandes de relous. Allez. Si je saute là. Oh les relous, mais les relous! Allez, salut les nazes. Alors. Overlord, Zenzeta, Taten Yusha. Oh, alors attends. Taten Yusha, c'est Le héros bouclier, non? Je sais plus. Overlord, après c'est pas pareil. Parce que c'est pas des mecs qui se font appeler... Enfin, Overlord, c'est pas un mec qui s'appelle dans un autre monde. C'est un gars qui s'enferme dans son jeu et qui se retrouve finalement à ce que ce soit un autre monde. Mais ouais. Ah bah moi je lis les mangas de Chilled Hero. Je rate pas là. Ah mais ça va être le monstre, le dragon tout queue, ce qu'on va affronter. Je sais pas, car lui non plus était pas ouf, mais il était un peu mieux quoi. Attention, parce que moi j'adore Zero No Tsukaima, faut pas mal parler. Alors, le dragon, enfin c'est un dragon. Armure, tueur de dragon. C'est pas ça le boss? What? Aïe. Ok, sympa l'ambiance. T'arrêtes d'attaquer sinon des fois? Il fait pas beaucoup de dégâts. En même temps, vu la gueule de son armure, ça m'étonne pas trop. Mais du coup, le dragon en l'air, il va pas m'attaquer. Genre, il y a pas de deuxième phase ou quoi. Ah, me dis pas que je vais y aller coup par coup à chaque fois, c'est l'emmerde. Aïe. Bon, si c'est vraiment que lui, il a pas l'air ultra fort. Merde, j'ai fait une connerie. J'aurais dû faire ma gueule. Au moment où je dis ça quand même, ça c'est vraiment le retour de karma quoi. J'ai eu le light novel de Shield Hero, dans les arcs partent assez en couille. Bah déjà en manga je trouve que ça partait un peu en couille. Hein. On sait pas s'il est dur mais il tape dur. Hein. Non mais c'est pas pourquoi mais je sens qu'il y a une deuxième phase derrière. Je le sens là, le dragon en l'air, bon c'est voilà, hein, vous m'excuserez mais... Je sens bien que ce n'est pas la seule phase. En vrai c'est la douille le checkpoint où je me suis mis, parce que là ok, t'es plus proche du boss, mais tu dois passer devant les 4 armures casse-couilles là. Un peu chiant. Aïe. Voilà, merci. Ça dépend, ils en ont où dans le manga? Dis juste numéro de la wave, histoire de pas spoil. Mais je me rappelle pas, j'ai lu il y a un moment.
Le numéro de la veille, je me rappelle d'un meilleur TP perso. Bah, je suppose que celui en haut était mieux en vrai, mais. Je pense que je vais y retourner, effectivement, ce sera peut-être mieux. Je me souviens plus. En tout cas, Berendur, ce que je peux te dire, c'est que là, moi, ce que j'avais lu en dernier, ils étaient allés sur une île spéciale pour XP. Et ils avaient eu une vague juste après le passage de l'île où ils avaient récupéré une tenue pingouin pour aller sous l'eau. Et je commençais à trouver ça un peu à chier, le délire de la tenue pingouin là. Je me disais, mais quelle idée de merde. Normalement, t'as raccourci bien meilleur. Ok, bah, je vais aller voir ça parce qu'effectivement, lui, il est un peu à chier. Il est pas au top quoi. Oh merde! Oh mes âmes! Bon, c'est pas grave. Je vais chercher ça, je vais chercher le raccourci. Parce que là, c'est vrai que ce. En fait, si je les esquive, ils sont tellement casse-couilles qu'ils me courent quand même après jusqu'au bout du monde. Le temps que l'ascenseur descende et tout. Ok. Donc, on va remonter et on va chercher votre autre chemin. Parce qu'après, il y avait le truc à côté du pont, mais. Bon, c'était un peu chiant le pont. Je trouvais. Merde. Enfin, l'important c'est qu'il soit mort. Ah ça non mais c'est encore gentil. Bah déjà je trouve que c'est le bordel. Hein. Pour ça... De toute façon quand ça commence à être le bordel dans un anime, un manga ou quoi, généralement ça s'empire. Ça ne va que en s'empirant. Allez, reviens. Reviens, sinon je vais faire les deux en même temps. Allez. Allez. Mais tu me vois, là. Oh, il fait l'enfant. Il fait l'enfant. Mais il fait tellement l'enfant, regardez-le. Ah, t'es content? Bon. Le papy, là, il m'aime vraiment pas, hein. Voilà. Fou. Bon. Donc vous me dites qu'il y a un meilleur raccourci. Tiens donc. Mais je pense que c'est celui derrière la porte. Il y a une porte à un endroit. Mais je sais pas comment l'ouvrir. Mais je pense que c'est ça. Mais comment? Il doit y avoir un mur invisible. Regardez, est-ce qu'il descend vraiment l'ascenseur? On n'en sait rien. On ne sait pas. On n'en a aucune idée. On ne sait pas s'il arrive. Le meilleur chemin, c'est en face du feu, et ensuite tu longes à gauche. Avec l'ascenseur. Donc pas gros les mains. Ouais, donc c'est vraiment celui qui est devant le pont, c'est ça? En fait, je crois que c'est celui-là, mais il y a un meilleur feu. Ah. Je comprends pas. Ah, tu veux dire celui qui est à l'extérieur? Bon, non, mais de toute façon... En vrai, le boss, il a pas l'air... Enfin, ça dépend s'il y a deux phases ou pas. T'as le bon feu, ok, d'accord. Ouais, je vois, ok, je vois par où vous voulez que je passe. Très bien, j'ai compris. D'ailleurs, faut que je pense à faire un truc. Hop, voilà, déjà, ce serait un truc en moins à faire plus tard. Je sais, bon, j'ai compris où vous voulez que je passe en fait. Faut que je passe par l'autre chemin. Allez, let's go. Allons-y. Aïe! Oh, je déteste quand ils font des trucs avec leur bouclier. D'accord, merci, au revoir. Très bien. Ce fut fort sympathique de votre part de discuter avec vous, monsieur. Je pense que je vais activer une braise. Parce que j'en ai marre de me faire tuer en deux coups. Tu win là? J'étais censé, mais... Je me suis dit finalement... Une troisième fois, c'est pas si mal. Quoiqu'une braise, oh, c'est un peu faiblard de faire ça. Mais en vrai, c'est même pas le boss qui m'emmerde, c'est le chemin jusqu'au boss. Moi, je l'ai déjà dit plein de fois, mais dans ce genre de jeu, je trouve ça insupportable. En fait, je trouve le chemin jusqu'au boss est plus fatigant que le boss en lui-même. Le chemin mentalement t'épuise avant le boss. En fait, vous voulez qu'on passe par là? J'ai joined Discord, il y a tout plein de chances, c'est trop bien. Ok. Et bah, content que tu t'y fasses, que tu t'y plaises.
Fantomive. Fantomive. En fait, c'est comme ça, voilà, comme ça on évite tous les monstres et voilà, tout le monde est content. Dans le 3, t'as beaucoup de raccourcis proches de chaque boss quand même. Ça, c'est vrai, le chemin est horrible. En vrai, tu vois, le chemin que j'ai pris pour y aller, c'est tranquille. Mais qu'est-ce que ça m'emmerde? Cet ascenseur, mec, juste cet ascenseur, on se fait chier là, putain, les gars. C'est l'ennui. Allez, allons-y. Donc, cette fois. C'est la bonne. Par contre, si je repère là, après j'utilise une braise. Vu que j'en ai plein et j'utilise jamais, j'essaie de les rentabiliser un peu. Ah, on a eu des idées similaires. Sauf qu'évidemment, lui, ça fait plus mal. Oh, mais. Oh là là, les potions, il boit trop longtemps. Même moi, je n'ai pas autant de temps à boire. À un moment, faut arrêter. Après c'est vrai que par contre lui on a de la chance, il boit en marchant un petit peu. Moi je suis pas capable de boire et de marcher en même temps. Aïe. Bon, faut que je me soigne direct. Déjà parce que j'ai un buff sur mon épée. Et ensuite parce que je me prends deux coups, je meurs donc merde, je l'ai fait trop tôt. Dès que j'ai lancé mon esquive, je me suis dit je l'ai fait trop tôt. Putain, c'est dommage. Perdre bêtement comme ça. C'est fantôme AIVE. Ok, fantôme AIVE. Respecte ce nom de famille de légende, voyons. Je sais pas, je vais faire ça avec tous les boss, j'ai pas ton problème. Je plaisante. Aïe aïe aïe, quelle histoire. Quelle histoire. Ah donc on est sur ce genre de fan de Black Butler. Quoi? Ah ça vient de Black Butler Black Butler son nom. Et Black Butler c'est c'est le manga pour les fans de Yaoi Shota Gothique. Moi j'ai fait face à ce boss là, en plus je vois qu'il est pas dur. S'il y a vraiment qu'une seule phase, je me rends bien compte que c'est une immense merde et que c'est moi qui joue très mal. Parce que vraiment, pour le coup, il n'y a rien de compliqué. Ses attaques sont ultra prévisibles. Il se prend pas trop de dégâts, mais en vrai, ça va. Donc je me rends bien compte que là, c'est moi qui fais de la merde, mais... Donc pour le coup, je veux bien te croire que tu l'es Farstry, ce boss. Après, t'es pas prêt du tout. Pourquoi je suis pas prêt du tout? Tu sais, j'ai quand même une épée dans les mains. J'ai une épée. Est-ce que toi, t'avais une épée? Ah, il y a mon âme là-bas, est-ce que je vais la chercher? Bon, je finirai bien par aller. Wow, mais détends-toi, frère! Et on peut descendre, vous voyez que je peux le faire tomber? C'est ça que je voulais, voilà. Vous voyez que je peux le faire tomber vu qu'il détruit le sol? Merde. Non, bah esquive! À un moment, j'ai pas esquivé, je sais pas pourquoi. Oh, l'idiot. On aurait été dans Nioh, il y aurait au moins 4 éclairs qui seraient suivis derrière. Oh, je suis sûr qu'on peut le faire tomber d'un moyen ou d'un autre. Oula. Allez, viens là. Ok, on y va. Esquive. Oh dommage qu'il soit pas tombé. Bon, je pense qu'il peut pas. Il y a pas mal de potions contre lui.
Je vais avoir l'air. Oh là, je vais avoir l'air con quand on va y avoir la deuxième phase. Si on a bien une. Aïe, oh merde. On était. Attends, la fin de ses combos, mais reste attentif quand même à sa posture. Il y a un coup qui OS même avec Braise. Ah ouais? Bah, c'est peut-être celui-là du coup. Celui où il fait. Il tombera pas, il y a un mur invisible. Ouais, je crois avoir remarqué. Disons que j'ai bien aimé Black Butler, mais j'irai pas le mettre sur un pied d'install. Un pied d'install. Un pied d'install. Non, il te l'a pas fait. Ok, ok. Bon, je pense que je vais essayer de pas utiliser de braise. Après, je dis ça, mais ça m'abrégerait le combat, je pense. Mais bon, tant pis. On voit bien qu'il est pas impossible. Ah si, c'est ça, Bérandeur. Mais c'est pas toi qui m'avais demandé ce que j'avais comme arme au tout début du live. Avec... Non, c'était pas toi, je crois. Je sais plus qui c'était qui m'avait demandé. C'est le coup avec les éclairs, ok. Ah, mais il me l'a fait alors. Bon, il m'a pas touché, mais il me l'a fait. Oula, oula. Après, cette attaque-là, elle est quand même sacrément longue. Donc, logiquement, t'as le temps de la prévoir. C'est pas non plus l'attaque. Voilà. Non, mais s'il n'y a pas de deuxième phase, écoutez, c'est vrai que le boss, il est faisable. Tranquille, c'est pas. Parce que moi je pense que c'est un des éléments qui fait que le Nameless King il est vraiment casse-couille. C'est qu'en fait. Bon, après le Nameless King, j'ai pas eu le temps de beaucoup l'affronter vu qu'il fait. Il me tue quasiment instantanément. Dans le sens où il me touche deux fois, c'est fini. Et vu qu'il enchaîne les attaques, ça vient vite deux fois. Mais le Nameless King, le problème c'est qu'avant t'as un espèce d'oiseau à affronter et que l'oiseau il peut s'amuser un peu à courir partout sur le terrain. Donc des fois t'as pas la possibilité de le taper pendant un petit moment. Et. Dans ce passage là, bah, il a le temps de te toucher à un moment ou l'autre si tu fais pas attention quoi. Et vu que tu dois refaire ça en boucle si jamais tu meurs, c'est chiant quoi. A l'occasion, si t'aimes bien le jeu et que tu comptes t'y rejouer un jour, n'hésite pas à te le faire avec un ami, c'est très sympa. Celui-là là, vrai... Ah non, je pense pas le refaire par contre. Il y a une deuxième phase. Ah par contre, fallait pas le dire ça. Ça fallait pas le dire. Après bon, en vrai vu comment le boss est tout long et tout et assez prévisible, ça m'étonne pas trop. Oh, j'ai bien aimé le son de l'éclair là, le... Ah mince. Eh mais lui il peut pas tomber dans le vide, mais moi je peux. Injustice ça. C'est celle-là qui peut one-shot. Je suis sûr que là tout le monde s'est dit il va se la prendre. Moi aussi je me le suis dit d'ailleurs. Oh putain, par contre il enchaîne bien les coups. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, il s'attaque là. Okay. Ah, il se passe un truc. Voilà, il se passe des trucs. Merde, j'ai fait le con. Bois, bois, bois. Hop. Allez, attendez, il va me faire une attaque au bouclier si je m'approche. Je m'approche, il va me faire... Mais le dragon, il va me vomir dessus. Merde, à chaque fois, à ce moment-là, je vais attaquer, il faut pas. Attendez, là, il faut que j'esquive. Oh non, il fait quoi? Ok, il m'a un peu surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Oh non. J'ai eu très chaud, là. Oh, j'ai voulu bourrer, c'était une mauvaise idée. J'aurais pas bourré, bon c'est pas grave, j'ai gaspillé une potion. Hop, bon alors, deuxième phase, voyons voir. What? Attends, il fait un truc. Ok, donc là, oh là, par contre, attends.
Merci, Brander. Attends, mais y a pas de deuxième phase? Ah, mais vous parliez de quoi? Y a une deuxième phase. Ah, mais y a pas de deuxième phase! Ah, mais c'est vraiment juste une immense merde, alors. Parce que bon, on va pas se mentir, au début, c'est vraiment moi qui jouais mal, mais le boss en lui-même, tu vois, les esquives... Enfin, ses coups sont ultra prévisibles, les coups sont... Il t'atrolle, d'accord, bah tant mieux, alors. Deuxième phase, c'est les dragons qui attaquent, en plus. Ah! Ah oui, d'accord, ouais, bon, le dragon, il... Mais ce que j'ai pas compris, c'est que le mec, il s'appelait Tueur de Dragons, mais les dragons l'aidaient. Je crois que j'ai les... Alors... Il va falloir expliquer aux créateurs de Dark Souls qu'il y a un truc qui colle pas dans la dans le lore, là. Qui ça, alors que j'ai beaucoup galéré contre lui. Désolé, Kiwil, désolé, c'est pas... Mais après, c'est le cas, ces attaques étaient quand même assez prévisibles, je trouve. C'est pas des dragons. Qu'est-ce que c'est, alors? C'était quoi? Hein, dis-nous donc, vu que tu sais tout mieux que tout le monde, Childazo. Des créatures pyromanciennes. Je ne connais pas cette merde. On va au Nexus pour valider ses âmes. Je suis insupportable. Je suis insortable, c'est horrible. Les meilleurs feux arrivent. Mais oui, les meilleurs feux. Mais oui, comment les ai-je oubliés? Les meilleurs feux. Comment ai-je pu les oublier, les meilleurs feux? Les meilleurs feux, les amis, ils arrivent. Alors, est-ce que je bourre la force ou la ou autre chose? Les PV seraient peut-être bien. Attends, j'ai le droit à deux levels là, non? Ok, bon, allez, 1 pour la force et 1 pour les PV. Je monte de combien de PV? Oh, j'arrive à 800. Attends, mais ça, c'est pas des conneries, hein. On gagne beaucoup en PV, je trouve. Au revoir, Mortflame. Mortflame. Prince de Lautrec, ce pauvre. Encore une victoire rudement menée. Et des temps de chargement infiniment longs. C'est donc ça la magie des joueurs console par rapport aux joueurs PC. Voilà. Là, c'est le moment. Bon. C'est terriblement long. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a donc par là? Nioh, je vais le prendre sur PS4 d'ailleurs. Ah ouais? Ah, vous, c'est long, what the fuck? Bah, c'est la PS4 quoi. Je me souviens plus si les temps de chargement étaient longs. Alors, Kiwil, je t'assure que quand tu meurs contre un boss et que tu dois retourner l'affronter, les temps de chargement sont toujours longs. Toujours. Un chemin caché. Il y a des petites lières. Il y a des choses cachées par là. L'éclat de titanite. Le sacré. Le fameux. La titanite. Il n'y a rien ici. Bah alors. C'est pas bien ça. Oh, c'est parti. Mais Kiwil, n'empêche qu'il a le courage de se faire Nioh alors que maintenant tu es au courant qu'il y a des araignées dedans. Voilà une information qui aurait pu m'empêcher de faire le jeu. Mais bon, comme je l'ai déjà dit à maintes et maintes et maintes reprises, et pourtant on n'a que demain, le seul jeu selon moi qui a vraiment des araignées qui sont dégueulasses et qui pourraient vraiment, ou en y repensant, juste de par ces araignées, je pourrais me dire je vais pas refaire le jeu, c'est Bloodborne. Parce que mon gars, dans Bloodborne, les araignées, elles sont dégueulasses. C'est réellement les araignées les plus hideuses que j'ai vues de toute ma vie dans un jeu vidéo. Et mais vraiment, j'étais terrifié quand je les ai vues, j'en pouvais plus. La clé des grandes archives et l'épée de Gothard. Mais arrête. Ah, c'est vrai que Mika, t'es en train de le faire, mec. Oh mec, mais bon courage, hein. Voyez voir l'épée. Ah, mais les doubles épées, je suis pas très fan. Non, je suis pas très fan, je suis pas très fan. Il a fait Oseiros. Oui, je l'ai fait. Je lui ai donné une bonne leçon. J'ai pas encore commencé du coup. Ah, il serait peut-être temps.
Pourquoi cette porte-là et pas l'autre, hein? Pourquoi il y a deux chemins? Pourquoi on prendrait celui-là? Pourquoi tout le temps... Attends, il n'y a rien d'autre, en fait. Les grandes archives. Oh, génial, une bibliothèque. Oula, c'est quoi, ce truc? Eh, mais c'est un ancien boss, ça! Mais ça, c'est un vieux boss! Ah, ça t'a pas suffi la première fois? Ils nous remettent des boss. Honteux. Des boss qui deviennent des monstres lambda. Attendez, je vais d'abord le tuer avant de continuer. Enfin, avant de revenir sur mes pas. Parce que je pense que lui, il repop pas. Eh, reviens là, toi. Vous, je vous aime pas. D'ailleurs, Dazer, tu as pas visité la zone après Oceros. Tu sais, tu avais déverrouillé un mur illusoire. Ah ouais? Ah bah merde alors! Ah bah tant pis! Zut! On verra plus tard. La grosse araignée quand tu es lucide d'un bébé. Comment ça quand t'es lucide? Tu veux dire que si t'es pas... Attends. Tu veux dire qu'elle est pas là si t'es pas lucide? Parce que je sais qu'il y avait un délire de lucidité dans Bloodborne, mais là, tu vois, ça fait un moment, et je me rappelle plus comment ça fonctionnait précisément. Mais je crois qu'en gros, des fois, il y avait des ennemis qui apparaissaient dans ta partie, en fonction de si t'étais lucide ou pas, c'est ça? Donc tu veux dire que si... on peut ne pas la voir, la grosse araignée. Oh, ça va, hein, le prenez pas mal. Juste tuer votre pote, quoi. Facilité. Bah je me souviens d'une zone dans laquelle, en fonction de si t'es lucide ou pas, t'as plus d'ennemis. Genre dans une espèce de forêt où t'as, mais si t'as pas de lucidité, tu vois... Mais il me semble que c'est quand t'as pas de lucidité, justement, que tu vois plus d'ennemis, hein, et pas l'inverse. C'est toi, tu dis quand t'es lucide. Mais du coup, je crois que c'était l'inverse. Il y avait Rome, l'araignée stupide, dans Bloodborne. Ouais, mais elle a fait pas peur, c'est... Tu parles du monstre à la pleine lune, là, ça fait pas peur du tout. Attends, il y a des trous, là? Cette zone, je la sens pas trop. Attends, mais c'est super grand ici. Pourquoi je sens qu'il y a des trucs qui vont popper de nulle part là, c'est sûr. Moi je le connais. Attends, il y a des... Une sale son. Ok. Ok. On peut pas les tuer? Non, d'accord, ils sont battus les couilles. Exact, avant les sorcières. T'es passé à côté d'un truc hyper important là. Mais en fait, mec, la zone est tellement immense que là, j'explore en... Enfin, je vais faire des allers-retours, hein, clairement. Parce que la zone est vraiment grande. Mais, bah oui, bah, je vais revenir, t'inquiète pas. C'est des vecteurs. Des voiles amygdala. Agmidala, je me souviens pas de ça, par contre. Bonjour. Enchanté. Oh les salauds. Ok. Mince. Un boss araignée. Et c'était pas la grosse araignée dans la salle de toutes les petites là? Vous voyez, la zone fait des allers-retours, donc là, quoi qu'il arrive, je serais obligé de revenir sur mes pas. Oh putain, ça m'a pas fait de dégâts, mais ça aurait pu. Parce qu'il y a toujours le monstre que j'étais en train d'affronter là qui s'est cassé, je sais pas où. Ah, vous voyez, je crée un raccourci. Aïe, si on me laisse le. Voilà. Attends, qui me tire dessus? Il faut que je me règle. Voilà, ok, d'accord. On va aller tuer les gens en hauteur et ensuite on redescendra tranquille. J'ai entendu des petites voix bizarres, le... J'ai entendu quelqu'un faire des bruits bizarres. Alors, vous êtes bien sympa, les gars, mais... Je ne vous aime pas trop, vous. Je les déteste.
Ok. Bon, qui me tire dessus? Ok, c'est lui là-bas, c'est lui, je le vois. Qui faisait une espèce de danse nuptiale là pour essayer de me draguer. Mais ça ne marche pas avec moi. Et oui, raté, je ne suis pas un oiseau. Ah mais c'est toi en plus! Oh alors toi. Oh putain. Bon Dieu, je suis mort. Oh non, dégoûté. Oh, ils sont très énervants ici les monstres. Oh, je voulais tuer le gros d'abord, mais bon. Apparemment, il arrête pas de se TP de point en point, donc. Dark Souls, il y a un monstre régné horrible avant le moine dans l'archipel. Alors attends, j'ai fait Dark Souls. Là, j'avoue que le monstre régné, je me rappelle pas. Le moine dans l'archipel, ça me parle pas non plus. Donc attends, il y avait un chemin à droite aussi. Ah ouais, mais. Ah, c'est un raccourci. Bon, bah, ça, c'est pour plus tard. Parfait. Bah, retournons dans la bibliothèque. Est-ce que le monstre aura pop en face? Non. Ah, si. Toi, objectif, faut te tuer direct. Yes. Le but de cette zone est un enfer. J'ai beau la connaître. J'ai recommencé 10 fois cette run-là. Ah, ouais? Bon, on va voir comment on s'en sort. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que t'as compté le nombre de fois que t'es mort, quoi. Ok, ça, ça me ramène là. Oh, je les aime pas. Ah, un tout petit peu de force en plus et je les tue. Hein. Je suis sûr, faut que je monte à 40 en force. Dans ce Dark Souls. Ah, dans le 3. C'est pas dans le 1. Ah, si vous précisez pas les chiffres, moi je ne sais pas. J'ai pas raté un truc là sur la droite. Après le premier paladin avec sa masse de lumière. Là, tu dis ça comme s'il y avait qu'un seul paladin dans tout le jeu avec une masse de lumière. Par contre il était où le raccourci que j'ai... C'est ça? C'est ça mon raccourci? T'as créé un raccourci et tu le prends même pas. C'est celui-là non? J'ai créé je crois. Ah, effectivement. Après l'autre m'a dit que j'ai raté un truc donc faudrait que je retourne voir en bas mais... Mais je vais d'abord essayer de tuer l'autre monstre parce que vraiment il est casse-couille. Je l'aime pas. Non mais dégagez les gars! Putain je vais vous enculer là! Celle-là vous allez vous la prendre! Putain mais les mecs ils se mettent autour de moi! Ils me bloquent le passage! Je comprends rien de ce que vous racontez. Ah moi je ne comprends rien de ce que vous dites là. Vous parlez d'éléments tellement précis du jeu que je ne comprends rien. Faut bien que vous dites ça. On va se focaliser sur tuer ce monstre là. Une fois que je l'aurai tué, j'irai explorer tranquillement la zone. Parce que pour le coup c'est vraiment ce monstre qui m'énerve. Une fois que je l'aurai tué, c'est bon, au revoir. En fait, ça qui est, c'est une dinguerie. Les joueurs de Dark Souls, vous parlez de trucs ultra précis, en mode tout le monde vous comprend. Les gars! Les gars, oh, redescendez sur Terre un peu! Bon, là, faut d'abord tuer les petits monstres. Tant qu'à faire tout aussi, tu vois. Aïe. Ok, bon je crois qu'ils m'emmerderont plus ceux-là. Ok, bon ils sont... Ah non, il est là lui. Vas-y, viens là, tu me fais pas peur. Bon, maintenant qu'il y aura personne pour me bloquer.
Ok, on prend ça et on se casse. Et maintenant, ça va être le run en mode il faut le tuer en un coup. Bon, ça va être compliqué, mais on va tenter. Ah ouais, mais il se fait aider par son pote. Tu l'as aidé, toi. Tu mérites juste la mort. Je suis venu te châtier. C'est à cause de toi que je suis mort tout à l'heure, hein. Petite merde. Attendez. Endroit safe. Ok, repos. Non, attendez, c'est pas safe du tout. Il est là-bas. On peut la descendre ou pas? Ah, je peux juste descendre, en fait. Du coup, attendez, je vous lis. Dis donc, petite question. Tu as l'air petit quand t'es assis. C'est du fait que tu es para? Quoi? Attends, moi? Comment ça, quand je suis assis? J'ai pas compris la question. Moi, tu penses que je suis paralysé des jambes? C'est ça que t'es en train de me dire? Tu as l'air petit quand tu es assis. Tu parles de mon perso dans le jeu ou de moi dans la vraie vie, là? J'ai pas tout compris. Attends, lui, je veux le tuer, par contre. Putain, mais gogol! What the fuck? Mais on est d'accord que c'est moi qui ai pas compris la question ou Tu as l'air petit quand t'es assis. C'est du fait que tu es para. Je comprends pas la question en fait. Oh! Oh, il y a un monstre. Oui, Dazer est para. Mais j'ai rien compris à sa question. Quand tu fais un SL1 Soul level 1, tu as bien obligé de connaître un jeu par cœur, non? Je t'aime, Dazer. Moi je t'aime pas trop, je comprends rien de ce que tu racontes, mec. Je comprends pas ce que tu dis. Bon, comme dit, de toute façon, mon objectif actuel, c'est d'aller buter le... Voilà, lui. Exactement. Parce que je pense qu'il repop... Oh putain, l'enculé. Oh, il va s'échapper. Oh, le bâtard. Oh, l'énorme bâtard. Il est où? Ok, on parle chinois. Non mais c'est... Voilà. Bon, il revient pas, on est d'accord. Ça se trouve, il revient en fait. Ça se trouve, il revient et j'ai eu complètement tort de le tuer. Le parchemin cristallin. C'est pour le multi, ça aussi? Focus les archives. Alors mec, je vais juste focus de trouver un feu et après je reviens tout explorer en bonne et due forme. Genre par exemple, ce truc-là, je suppose ça me ramène au tout début. Donc je vais peut-être activer le feu et revenir, tiens. Ça sera... Après, faudra, comme ça, déjà, je verrai si le monstre repop ou pas. Attends, c'est... Je suis revenu... Attends, c'est une nouvelle zone? Quoi? Je suis où, là? Attends. Ouah, mais putain, mais je regardais... Ah ouais, mais alors, le gars fait dada sur ton bidet, en fait, hein. Mais arrêtez de m'envoyer des messages de minutes! Oh, je me fais spammer. La gloire à 23h, quoi. Les gens se souviennent que j'existe uniquement à 23h et pas avant. Pas croyable, ça. Je sais pas si vous entendez comment mon téléphone sonne. Je peux venir sur votre Discord? Ah bah non. Ah non, ah non, pas gogol. Hein. Alors non, toi gogol, hein, bien sûr que tu peux, putain. Dada sur ton bidet, mais qu'est-ce que tu racontes, Dada? Les pires mobs, ceux-là. Non, je les déteste aussi. Attends, j'ai déverrouillé... J'ai déverrouillé quoi en fait? Ah, c'est un raccourci de ouf! Comme quoi j'ai bien fait. Hier c'était 3h du mat, c'est vrai. Bon, maintenant que j'ai ouvert ce raccourci et que j'ai tué quelques monstres, on va pouvoir réexplorer de tout en bas, la bibliothèque pour essayer de voir ce que j'aurais possiblement pu rater. Et vu que quelqu'un m'a dit tout à l'heure que j'étais passé à côté d'un truc de ouf qu'il a dit, on va essayer de trouver ce qu'était ce truc de ouf. Hein? Alors là, j'ai pas été à gauche. Point. Point, 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 point. Lame de chevalier découragé. Bon, je pense que c'était pas ça le truc de ouf. Oh, merci Shieldazo pour le follow. Il a modifié truc de ouf par important. Et regardez, ça assume pas ce que ça dit. Ça assume pas, bah bravo. Alors ça n'assume pas, hein. Hein, monsieur Deadly Shadow. Deadly Shadow, ça n'assume pas.
Non, j'ai dit important. Bon, allez, va pour important. Allez, va pour important. Vas-y. Pour cette zone. Ok, donc c'est vraiment obligatoire pour avancer, en fait. Bon, dans ce cas, je dois être dans le coin. Parce que j'ai pas non plus passé à côté de milliards de milliers de choses. Prends pas la tête, Deadly Shadow. Toi. Oh, toi. Eh oui. Ah, il est mort. Ah bah non. Ah, oh, c'était mon préféré. Attends, y'a pas un truc. Ah, c'est là, attendez, ça. Un éclat de titanite. Oh, c'était probablement pas ça. Le truc de ouf important. Oh. La cloche de cristal, c'est sûr, c'est ça. Eh, vous savez quoi, là, c'est... comment ça s'appelle déjà, merde. C'est longue vue. Ça me fait penser à Dark Souls 1, il y avait une zone aussi, on avait... Oh merci Kalen. Arigato Kalen pour le host. T'avoue, moi je joue à des bons Dark Souls. Le 3, pas le 2. Alors qu'en vrai j'ai jamais fait le 2, je suis pas en droit de parler. Mais c'est justement parce que je suis pas en droit de parler que je vais encore plus me permettre de parler. Bon stream, Arigato Kalen, Arigato. Comment je vais là-bas? Regardez, il y a un truc là en haut. Faut que je me fasse tomber encore. Alors, faut toujours se faire tomber dans ce jeu. Hein. On peut jamais rester sur ses deux pieds. Le 2 est bien. Le 2 est pas si mal. Bah je l'ai pas fait, je sais pas, mais tout le monde dit qu'il est pas bien, donc... À un moment... Je ne sais plus quoi penser. Attends, rien. Ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Mais reste... Mais il est où? Oh, mais Skina, il s'est foutu de ma gueule. Attends, mais il a disparu, vous avez bien vu? Le jeu, il se fout de ma gueule ou comment ça se passe, là? Il y avait un petit bonhomme ici, là. Les petits trucs qui brillent. Bref, good luck. Merci. Je les ai achetés dans un dojo en Thaïlande. De quoi donc? J'ai mis le lien vers Two Girl One Cup sur ton Discord. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu partages des films illégalement sur mon Discord, Gogol? Pourquoi tu partages des films illégalement, Gogol? C'est quoi l'objectif là? Tu veux que mon Discord se fasse ban? Oh mais non. Oh oui, ils sont pas... Mais ils font tellement mal. Eh les gars, oh, on va pas au Nameless King là. On va à la fin du jeu. Alors détendez-vous. Ah ouais, vous savez pourquoi j'aime bien cette zone? Parce que, alors vraiment très vite fait, en vrai ça n'a rien à voir. Mais ça me fait un peu penser à l'asile dans Bloodborne. L'asile de Bloodborne qui est vraiment ma zone préférée, quoi. Tu crois vraiment que je fais des choses comme ça? Je suis si bas dans ton estime? Bah tu sais, en fait, c'est toi qui m'as dit que tu viens de le faire. Donc à un moment, est-ce que je te fais confiance aussi? C'est ça la question, tu vois. Et faire confiance à quelqu'un, c'est avant tout croire ce qu'il te raconte. Attends, je me recouvre la tête de cire, là, vraiment. Putain, j'en ai fait des trucs cons dans ma vie, mais alors celui-là, il est assez incroyable. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ça y est, t'as trouvé. Ouais. J'ai trouvé comment avoir l'air un peu plus bête. Oh, une petite échelle. Ah, mais c'est ça qui amène à l'étage du dessus. Ok, d'accord. Est-ce que je peux m'allumer la tête? Non. Mais du coup, je t'ai pas passé à côté d'un truc important, Shadow, vu que j'étais même pas encore. Tu m'as dit que j'étais passé à côté d'un truc important, mais j'y étais même pas, en fait. Attends, c'est peut-être d'ici que je peux me laisser tomber sur... Ah bah tiens, il y a un truc là, justement. Attends, je peux peut-être atteindre d'en bas, juste en fait, tout connement. En fait, j'avais juste à y aller. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que ça va faire? Oh, ça me déplace ça. Ça veut dire qu'il faut que je revienne en arrière, putain.
tellement la flemme. Attendez, on va aller voir ce que ça a débloqué. Parce que si je vais pas maintenant, je vais oublier par la suite. Tu vas vite remarquer un changement avec ta tête de bougie. Oh là. Je sais pas comment je dois le prendre ça, Shadow. Mais faut pas me le dire, laissez-moi découvrir, putain. Votre objectif, c'est vraiment que j'ai aucune surprise, en fait. Ah, il y en avait un ici, c'est pour ça que tu disais ça. Votre objectif, c'est que je n'ai vraiment aucune surprise dès qu'il se passe quelque chose dans le jeu, en fait. Genre, vous dites, putain, vite, faut lui dire avant qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Ok, c'est ce truc-là que j'ai ouvert. C'est ça que j'ai ouvert, je crois. Ah non, ça, j'en viens, donc c'est ça que j'ai ouvert. Oh, putain. Oh non, mais lui, je l'aime pas, je t'aime. Je ne t'aime pas. Pourquoi tu comprends pas que je ne t'aime pas? Je ne t'aime pas. Oh putain. Oh la putain. Je t'aime pas. Ah, il y a un mimique. Ou alors c'est un vrai. Oh, c'est un vrai. Tablette. Je suis juste venu. Ah, mais c'est bien. Attends, c'est pas ce qui permet de faire évoluer les max, les armes au rang max. C'est très bien en fait, même. Non, Bérander, si je devais fondre, je pense que là, ce serait déjà fini. Bon, on va aller affronter le monstre caché que j'avais vu là. Yep. Oh ? Bah, elle a disparu la tête de bougie. Bon, les gars, j'ai rien remarqué avec votre tête. Hein. Tout ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est partie. Toute seule. À force de faire des roulades, je crois même. Je déteste ce mob. Bah, je crois qu'il y en avait déjà un au début. C'est pas lui qui m'a donné mon arme de glace? Parce qu'elle m'aurait bien été utile, cette arme. Hein. Franchement. Attends, il était. Non, c'était au-dessus. Attends, c'était au-dessus ou c'était là? Ah merde, je sais plus où il était. Ah, je crois que. Non, il était au-dessus, il était au-dessus. C'était au moment où je cherchais à retrouver le monstre. Essaie de t'approcher des mains qui sortent. Non mais mec, les mains qui sortent, elles me font des dégâts, je vais pas m'approcher d'elles. Enfin, elles me font pas des dégâts, elles me mettent un malus en fait. Je crois que c'est du poison. Donc vous me dites, si elle m'attrape, il se passe quelque chose quand j'ai ça sur la tête. Oh, y a trop de chemin. Non mais je pense que l'autre il est annexe, donc on va d'abord aller chercher l'autre chemin. Est-ce que peut-être que je peux les taper, non? Tu verras avec la tête de bougie. Je crois que je suis dos à lui là. Attends. Non! Annule! Oh le con! Je voulais faire le sort qui me permet d'être plus discret. Mais à la place, j'ai fait celui qui permet de me faire remarquer par le monstre. Bon bah voilà. Wow, sympa gros! Merci! Ah, oh, il est gentil! Il m'a donné quoi, c'est ça? Cascade, c'était Alva? C'est les trucs... Attends, il m'a donné quoi? J'ai pas fait gaffe en fait. J'ai juste vu qu'il m'a donné son armure, mais je sais pas c'était laquelle. J'ai pas regardé le nom. J'aurais dû regarder le nom, j'ai été con. C'est pas ça. Tu fais strike, je sub. Eh ben on est parti, Deadly Shadow. Chevalier éclaireur. Ah merci, Béran. Ah bah c'est ça. Ah elle est un peu lourde. Je peux pas me le permettre. Je te jure, je suis jaloux de ton gameplay. T'enchaînes les mobs avec une telle aisance pendant que moi je full galère sur eux. Ah ouais? Bah, en même temps, la Kiwi, on va pas se mentir, c'est mon épée qui a fait tout le temps. Là, mec, t'as vu les dégâts que je lui faisais? Ça, vous voyez clairement, j'aurais pas eu l'épée que vous m'avez aidé à avoir. Je sais pas si je l'aurais eu aussi facilement. Enfin, je l'aurais eu dans tous les cas, mais j'aurais dû utiliser des potions, je pense. Merci, Deadly Shadow! Pour ça, moi, je pense vraiment, le coup de l'épée que vous m'avez aidé à la monter, là, vous m'avez trop aidé à ce moment-là. J'avais une épée plus 10 dans cette zone, moi. Bah, mais moi, elle est plus 10 aussi. La tenue de ninja, j'ai envie de mettre la tenue de ninja juste pour le style. Merci Deadly. Deadly, un homme de parole. Hein. Mon abonné préféré. Quand il aura fait un don de 50 balles lui aussi. Maintenant, t'es son abo préféré.
C'est exactement ça. Alors attendez. J'ai regardé si je peux pas avoir mieux comme armure. Genre ça. Ah ouais, non, mais c'est trop lourd. Ça, ça peut être sympa pour le style, mais c'est trop lourd aussi. Non, en vrai, la mienne est à bon compromis, je trouve. Trop lourd. Chevalier éclaireur, elle est ouf, c'est ça. Elles sont stylées en plus, hein, les... Ok. L'escadron de Draxan est bien pour les débutants. Il vient de me traiter de débutant, là, l'autre. Armure de Smoog, meilleure armure du jeu. Bah moi, j'aime pas être lent, donc... on va éviter l'armure de Smoog. En plus, Smoog, je trouve dégueulasse. J'ai pas compris, il a fait d'une facilité. Bah, j'ai donné des coups. Le monstre, il avait pas l'air d'aimer les coups. Peut-être qu'il aimait pas l'électricité non plus, vu que mon arme a un élément électrique. Ça doit jouer, hein. Après, vous savez, je suis pas non plus une merde, hein. Je sais que dès que les gens se ramènent sur mon stream, ils arrivent souvent à un passage où je meurs en boucle et ils disent c'est une merde. Mais des fois, je meurs juste en boucle parce que je joue mal sur le moment, mais il m'arrive de bien jouer. Vous n'étiez pas là au moment où nous avons affronté Monsieur Sullivan, hein. Sullivan, c'est passé tranquille. Comment ça, l'autre? Il a pas dit Casule. Salut, salut Coromètre. Alors attendez, je crois que le chemin principal c'est par là en fait. Après j'ai pas été... Oh là là, mais il y a plein de chemins en fait. J'ai pas été là non plus. On va aller voir là en priorité. Tu peux repartir. Non mais oh Gogol. Eh, il veut faire partir les gens, ça va pas. Koro, l'écoute pas, c'est à lui de partir. L'écoute pas Koro, hein. Tu viens d'arriver, reste bien. On est bien. Alors t'es pas de merde, mais de là à dire que tu joues bien aux jeux vidéo. Oh, Capola il cherche les problèmes là. Capola il cherche les problèmes. Ok, là c'est le chemin donc. Il a fait en 4 tries Sullivan. Pourquoi je sens qu'il y a un truc sur la gauche ou sur la droite? Parce que là tu vas vers lui en mode no stress. Mais je sais très bien comment ça se passe. Putain, mais je me trompe toujours de sort. Oh là, il fait quoi là? Il fait quoi? Eh mais depuis quand tu peux te buff toi? Oh, il m'a fait mal. Ok. Ah, il m'a fait tellement mal. Putain, un coup, ma barre de vie s'est envolée. Je me sens tellement faible dans ce jeu. Je dirais que c'est mon plus gros point faible maintenant. C'est ok, maintenant j'ai un bon nombre de PV, j'ai un bon nombre de force. Maintenant, c'est les dégâts que je me prends, quoi. Pour ça, je me dis, il faudra peut-être que j'augmente ma défense, mon armure. Moi, je... Oula, attendez, que je tombe pas. Est-ce qu'il y a un intérêt à tomber? Je pense que même avec mon sort, pour tomber sans me faire de dégâts, je meurs, là. Y'a pas un mur invisible? Vraiment pas. C'est chelou ça. Alors je pense que là je meurs si j'utilise mon sort. Tu veux que je parte? Mais non, reste. T'es abonné. Bon, on va pas tenter le coup, j'ai pas envie de me prendre la tête à refaire des passages. Ça me ferait chier de revenir jusqu'ici avec tous les monstres qui ripop. Allez, on avance. J'ai pas été en haut à gauche, si? Attendez, cet endroit-là, là, j'y étais ou pas? Oh, je sais plus, j'ai un peu la flemme d'y réfléchir, je vous avoue. Allez, on avance, on avance. On se prend pas la tête. Ah bah, de toute façon, bon, non, ça ramène. Rappelez-vous, hein, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Ok, c'est pas un PGM, mais ils auraient bien un premier run, je trouve. Oh, merci, Bérandeur. Bérandeur, ça fait plaisir. Après, je suis... Ah mais non, c'est là que j'arrive, normalement. Je suis pas un pro-gamer ou quoi, mais... Oh, y a un truc caché, là, c'est sûr. C'est sûr, il y a un truc caché quelque part. Mais là, je vais peut-être descendre pour rien, en fait. Mais j'ai quand même fait Demon's Souls, Dark Souls et Bloodborne, quoi. Donc je pense qu'il y a pas mal de mécaniques du jeu que j'ai assimilées depuis le temps. Est-ce que je me laisse tomber ou pas? Putain, je sens que je vais y aller pour rien. Non, ça me foutrait trop la haine de devoir remonter ensuite, ça m'emmerde. On va avancer, tout simplement. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Bon. Oh bah... C'est quoi ça? L'anneau d'érudit. Ah putain. On va voir ce que ça vaut.
Augmente l'intelligence. Ouh, c'est pas pour moi ça. L'expert de Zot Soul, ça compte. L'expérience de Zot Soul, ça compte. Ouais, ça, bah, ça aide, hein. Non, mais Burander, en vrai, c'est pas sa première run. Ça fait 3 fois qu'il fait le jeu. Il veut juste attirer le... Je t'assure, Gogol, c'est bien la première fois que je fais le jeu, ne t'inquiète pas. N'importe quoi. Oh, la blague. Par contre, attendez, du coup, je vais vraiment devoir me demander où faut que j'aille, là. Parce que si je remonte, je remonte. Là, j'ai tourné en rond. En fait, j'ai ouvert un raccourci, mais quel est l'intérêt? Je crois vraiment que je suis bloqué, là. Je crois réellement. Attendez, on va aller voir... On va aller voir si je peux aller sur le... Parce que je suppose que s'il y avait une raison au fait qu'on puisse tomber sur la bibliothèque, là, il y a un intérêt. C'est pas anodin. Par contre, lâcher des subs. C'est vrai, ça. Lâcher des subs. Attendez, quel est l'intérêt de venir là? Pourquoi? Pourquoi faire? Y'a rien? Pourquoi alors? Pourquoi? Ah, pour se laisser tomber là! Ah. Oh putain, y'a le truc qui a disparu. Attends, mais ok, je me laisse tomber là. Là, j'y ai déjà été. Y'a vraiment rien? C'est une blague. Mais je suis déjà venu là. Il cache bien son jeu alors qu'avec la note Flynn. Ok, j'arrête. Mais qu'est-ce que t'as contre la note Flynn? Moi là, regarde, la note Flynn, il est où? Réduit la charge d'équipement et améliore les attaques physiques. Moi je me dis, bah en gros, si je suis à 70, ça va baisser ma charge à 69, tu vois. Donc là, je passe en dessous déjà de ce que j'ai en charge d'équipement, donc c'est cool. Et ça augmente mon attaque physique. Mec, mais tu vois, quand tu lis ça, ça peut être que bénéfique. Il y a quoi de mal? Moi, je comprends toujours pas en quoi c'est mieux pour les personnes légères. Hein. Lis bien la description. Mais je viens de la lire. Lul. Attendez. Réduire la charge d'équipement. Faites des dons. Ok, donc en fait, moins je suis lourd. Oh putain, plus je fais de dégâts. Mais les mecs. Mais en fait, je me donne des malus depuis le début du jeu, moi. Hein?